André Rau, qui portait en triomphe par ses amis et colistiers, grand sourire et larmes aux yeux. Très ému hier soir, le médecin remporte largement cette municipale partielle de Prunay-Lidy-Vieux-Morges. La reconnaissance, la récompense pour lui, l'historique fer de lance de l'opposition municipale qui sera désormais élu maire dans les prochains jours. Le travail de toute une équipe, un engagement total de tous ceux qui sont avec moi, un engagement total et une révolution dans le sens où on va tourner le dos à une politique, on va tourner le dos à des habitudes qui ont mis à mal notre commune. Avec 55% des voix, André Rau, qui militant nationaliste à la tête d'une liste sans étiquette, s'impose nettement. Loin derrière, Stéphane Frankovitch pour la majorité sortante et Esteban Saldana, chef de file de la liste nationaliste, qui n'a toutefois pas eu de soutien clair de PA Gourcia. Déçu, le trentenaire échoue pour sa première élection et perd même une trentaine de voix dans l'entre-deux-tours. Les vainqueurs augmentent et les suivants diminuent légèrement. Donc nous, maintenant, nous allons travailler au sein de ce conseil municipal et puis nous allons tout faire pour inverser la tendance l'année prochaine. Recul aussi pour Stéphane Frankovitch, nouveau en politique. L'homme pense que les électeurs ont sanctionné l'ancienne majorité et notamment son maire, Pierre Siméon de Gauchebert. Il y a une partie de l'ancien maire, il y a une partie, comme on l'avait dit, des voix qui ont été détournées. Il y a aussi des voix ou des personnes qui ne sont pas positionnées directement par rapport à la politique régionale. Et c'est pour ça que là, on sera peut-être sûrement dans une démarche d'union pour l'année prochaine et être présent en force. Stéphane Frankovitch, comme Esteban Saldana, voit déjà plus loin et compte rempiler. Car le mandat sera court, André Rau et les siens n'auront que 13 mois pour faire leurs preuves.